Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tour de carte automatique et impromptu. Donc vous allez voir, vous allez pouvoir présenter ce tour en impromptu ou avec un jeu marqué ou avec un jeu mémorisé. Vous avez plusieurs façons de le présenter. Donc le principe est le suivant, vous sortez un jeu de cartes, donc 52 cartes. Vous enlevez toutes les cartes qui sont en trop, les jokers, les cartes blanches, les cartes double face si vous en avez dans votre jeu. Voilà, donc vous montrez pas ça au spectateur, hein. Vous sortez un jeu vraiment de 52 cartes, vous lui montrez, vous pouvez le mélanger, il peut le mélanger, vous mettez les cartes comme ceci, voilà, en pagaille comme ça, et vous lui demandez de prendre le nombre de cartes qu'il veut, plus de 10 cartes, voilà, entre 10 et 52, donc un nombre pas trop important non plus pour pas que ça dure trop longtemps. Il peut prendre le nombre de cartes qu'il veut. Donc imaginons, il prend 16 cartes. Donc il va prendre 16 cartes au hasard. Donc il les prend. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le spectateur les prend et les garde en main. Vous récupérez les cartes et vous rassemblez toutes les cartes ensemble. Donc vous récupérez toutes les cartes. Ici. Vous pouvez mélanger si vous voulez les cartes devant le spectateur une dernière fois. Et il va devoir choisir une carte. D'accord? Qu'on va mettre de côté. Juste après. Donc vous égalisez toutes les cartes et vous lui faites choisir une carte. Donc il vous dit stop quand il le désire. Donc il vous dit stop ici. Hop, vous lui donnez la carte. On la regarde pas. On va la cacher. On va la mettre de côté pour l'instant. Ce paquet-là, on n'en a plus besoin. Et vous demandez au spectateur de mélanger ces cartes et de mémoriser la carte du dessous. Donc vous ne savez pas quelle carte il va mémoriser. Donc il va mémoriser le valet de trèfle, d'accord? Vous allez lui demander de mélanger les cartes d'une certaine façon pour perdre un peu le valet de trèfle, pour ne pas savoir en quelle position il va être. Donc vous lui dites de prendre la première carte, de la mettre sous le jeu, ensuite de prendre la première carte, de la mettre sur le tapis. Il va faire ça jusqu'à temps qu'il ait épuisé toutes les cartes. Donc ensuite sous le jeu, la suivante sur les cartes, et ainsi de suite. Comme ça, sa carte, on ne sait pas du tout en quelle position elle va être. Donc il faut pas qu'il se trompe, hein. Il faut qu'il aille doucement, faut qu'il se concentre. Une en dessous, sur le tapis, 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 et là il dépose. Ok? Donc là sa carte est quelque part dans le jeu, à une certaine position, on ne peut pas savoir ni la valeur ni la position. Et là ce qui est incroyable, c'est que le spectateur a choisi une carte au hasard, c'est lui qui a dit stop où il voulait. On a mélangé les cartes juste avant et on est tombé sur le 9 de cœur. Et donc ce qui serait assez fou, c'est que si le spectateur compte 9 cartes à partir du dessus du jeu et qu'il tombe sur sa carte, ça serait vraiment incroyable. D'accord? Donc on va voir si le valet de trèfle est en 9e position. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est bien sur le valet de trèfle, la carte mémorisée par le spectateur. Donc voilà pour ce tour automatique que vous pouvez présenter de diverses façons. Je vais vous expliquer tout ça. Donc j'espère que ce tour vous a plu. Franchement, pour un petit tour impromptu, ça le fait. C'est vraiment très sympathique à faire. Donc premièrement, avec un jeu emprunté. Donc c'est vachement bien de le faire avec un jeu emprunté, je trouve, c'est déjà très fort. Donc vous demandez un jeu à un spectateur, vous le mélangez, ou le spectateur le mélange, peu importe, et vous le mettez comme ça en pagaille. Voilà. Pourquoi on va le mettre en pagaille? Parce qu'on va devoir contrôler une carte. Donc je vous explique tout, c'est pas dur du tout. Vous demandez à un spectateur de choisir le nombre de cartes qu'il veut, mais il vous le dit. Voilà, donc ça, c'est l'inconvénient avec le jeu. Donc ça, c'est l'inconvénient avec le jeu impromptu, comme ça. C'est que vous savez à l'avance le nombre de cartes qu'il va prendre. Alors qu'avec le jeu marqué, vous allez voir, vous ne saurez pas, puisqu'il va couper un certain nombre de cartes. Mais vous saurez le nombre de cartes qu'il a coupé. Voilà, donc, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est quand même fort l'effet, même si vous le faites en impromptu, même s'il vous dit son chiffre, de toute façon, le spectateur, il va pas comprendre comment vous avez fait. Voilà, donc imaginons, donc il peut prendre n'importe quel chiffre,
Mais le mieux, c'est plus que 10, voilà, et moins de 52. Donc ça laisse un large choix pour le spectateur. Donc ça, c'est très bien. Il n'y a pas de restriction, on va dire. Donc là, imaginons, il vous dit, alors on va le faire avec un chiffre pair parce que c'est plus facile, mais vous allez voir avec un chiffre impair, ça marche aussi. Vous allez voir, je vais prendre comme exemple plusieurs cas parce que il y a plusieurs choses à dire. Donc le cas le plus simple, il prend un nombre pair, imaginons 22. Donc il prend 22 cartes. Et vous, dans votre tête, pendant qu'il choisit, vous faites 22, vous ferez toujours ça, 22 divisé par 2, ça fait 11. Et vous allez rajouter 1. D'accord? Donc vous tombez sur 12. Et 12, c'est quoi dans un jeu de cartes? C'est la dame. D'accord? Donc il va falloir que vous forciez à la fin la dame. D'accord? Donc 22, il prend 22 cartes. Donc je vais aller plus vite en le faisant comme ça. Donc imaginons il prend 22 cartes au hasard. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut pas qu'il prenne les 4 dames, hein, sinon vous êtes mal. Hein. Mais bon, ça m'étonnerait. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il choisit ses cartes, vous lui demandez de les égaliser. Pendant ce temps-là, vous, comme c'est le bazar, et ben vous avez le temps de voir où est la dame, d'accord? Où il y a une dame, et de la contrôler. Ben vous faites ce que vous voulez, moi je la contrôle sur le dessus du jeu ou le dessous du jeu. D'accord? Donc là, je ramasse les cartes et en étant discret, normalement, tout en ramassant les cartes, tout simplement, je mets une dame sur mon jeu. Voilà. Et donc je vais forcer cette dame. Voilà. Donc là, le spectateur égalise ses 22 cartes. On va faire choisir une carte. Donc là, vous faites le forçage que vous voulez. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je mélange les cartes. J'aime bien mélanger avant. Donc je contrôle la carte sous le jeu. Et je mélange encore une fois, je la contrôle sur le jeu. Je la remets sur le jeu ici. Voilà. Donc après, vous faites le forçage que vous voulez. Donc si vous faites, si vous mettez la carte en dessous, vous pouvez faire le mélange indu. Comme ça. Stop. Vous regardez la carte, il regarde la carte. Ok. Moi, j'aime pas trop le mélange indu. Je préfère faire le forçage vraiment très simple, mais qui passe crème. Franchement, on m'a jamais rien, on m'a jamais fait de remarque. Ça passe nickel, alors que c'est osé, je trouve. Donc moi, je fais juste défiler comme ça. Spectateur dit stop, je coupe vraiment où il m'a dit stop. Je bascule le paquet comme ça, et en fin de compte, j'avance la carte ici, et je referme tout de suite, et je pivote la carte. Voilà, en fin de compte, c'était la carte du dessus. Mais ça passe vraiment très bien, d'accord? Comme ça, stop, je coupe, je dis allez-y, mémorisez la carte, d'accord? Donc là, la carte, je la mets face cachée, je la montre pas pour l'instant, on la met de côté, ça, on n'en a plus besoin. Le spectateur mélange les cartes et il doit mémoriser la carte du dessous. D'accord? Donc là, le roi de cœur. Et donc, on va lui dire de faire un mélange spécial pour perdre la carte, pour ne plus savoir où est la carte. On ne sait pas, on ne saura pas à quelle position où elle est. Donc ça, c'est un mensonge puisqu'on va savoir grâce à cette carte-là. Donc c'est automatique. Vous allez voir, le fait d'avoir fait 22 divisé par 2, 11 plus 1, 12, on est tombé sur la dame. Qu'on va lui dire de prendre la première carte, de la mettre dessous et une sur la table, et ainsi de suite. Le roi va se placer automatiquement en 12e position. Donc ça, c'est vraiment super cool à faire et à montrer au spectateur. D'accord? Donc ça prend un petit peu de temps. Mais c'est bien parce que là, on ne sait vraiment pas où est la carte. Donc il ne faut pas qu'il se trompe, hein. Et là, vous dites, bah, je ne sais pas à quelle position est la carte que vous avez choisie. On ne sait pas la valeur. Donc là, vous pouvez lui demander. Il va vous dire le roi de pique. Je crois que c'était le roi de pique. Et vous dites, bah, c'est incroyable puisque vous avez choisi une carte. On est tombé sur la dame. Et la dame, c'est 12 dans un jeu de cartes. Et si on compte 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le 12, pardon. Donc voilà pour le tour impromptu. Donc il y a quelques exceptions. Qu'est-ce qui se passe si vous tombez sur un chiffre impair? Donc imaginons le spectateur choisit 11. Et bien ce que vous faites 11 moins 1, ça fait 10. Et là vous continuez. Vous faites 10 divisé par 2, ça fait 5. Vous rajoutez 1, ça fait 6. Et donc là c'est bon, on tombe juste. Ok? Alors que se passe-t-il si le spectateur vous dit un chiffre impair? Donc vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc imaginons, il vous dit 11.
Donc 11, ce que vous faites, vous enlevez 1. D'accord? À chaque fois que vous ferez ça, vous enlevez 1, ça fait 10. Et là, vous repartez sur votre calcul normal qu'on a pris au tout début du tour. Donc 10 divisé par 2, 5, plus 1, 6. Donc vous savez que le spectateur va prendre. Quand le spectateur va prendre 11 cartes, il faudra forcer le 6. Ok? Et là, attention, dans ces cas-là, si c'est un nombre impair, vous lui dites de déposer la carte en premier sur la table et non en dessous. D'accord? Exemple, j'ai 11 cartes ici, il mémorise l'as de pique. Il a dit un chiffre impair, vous lui dites de déposer la carte sur la table, puis en dessous. Et vous allez voir que l'as de pique va être en sixième position. Vous lui dites de compter 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'as de pique, sixième position. Il vous dit 15, vous faites 15 moins 1, ça fait 14. D'accord? 14 divisé par 2, 7, plus 1, 8. D'accord? Donc vous devrez, pour 15 cartes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vous devrez forcer 1, 8. Voilà, il mémorise le 10 de carreau. Et donc là, il met d'abord la carte sur le tapis. Ne vous trompez pas sur ça. Donc 8e position, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 de carreau. Ok? Donc quand c'est un chiffre impair, il faut d'abord dire au spectateur de déposer sur la table, puis en dessous. Quand c'est un chiffre pair, d'abord sous le jeu, puis sur la table. Ok? Et quand c'est un chiffre impair, vous enlevez 1 et vous continuez votre calcul. Voilà. Une autre exception, si par exemple le spectateur vous dit 42. Donc 42, vous. Divisé par 2, ça fait 21, et vous rajoutez 1, ça fait 22. Il n'y a pas 22, on ne peut pas faire 22, puisqu'il n'y a que 13 cartes. Dans ces cas-là, il faut que vous forciez, par exemple, un 10 et une dame, tout simplement. Un 10 et une dame. Ok. Donc vous forcez ces deux cartes-là comme vous voulez. Donc moi, je force comme d'habitude, ou alors dans ces cas-là, je vais faire au glissage, je vais faire un forçage au glissage comme ceci. Je dis, allez-y, prenez la première carte. Dites-moi stop quand vous voulez. Prenez la deuxième carte. Donc là, on a forcé le 10 et la dame. Ok? Donc ça, ce forçage, il est top. Vous faites ça. Et vous mettez une pression avec les doigts ici. Vous prenez avec la main droite tout le bloc. Et vous laissez basculer la première carte comme ceci. Hop. Et vous donnez. Comme ça. Hop. Et vous donnez. Et à vitesse rapide, ça ne se voit strictement pas. D'accord? Vous faites ça et ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tourner votre main. Donc moi, ce que je fais ça, je fais mon glissage. Et je dis, hop, on va pas choisir cette carte-là, mais cette carte-là. Ok, je repose. Je fais mon mouvement. Et je dis, on va choisir ces deux cartes-là. Et je tombe sur le 10 et la dame. Ok, c'est bien de tourner la main ici. Vous dites, on va pas choisir cette carte-là, mais la carte du dessus ici, sur laquelle vous avez coupé. Ok, vous faites votre glissage. En fin de compte, vous faites votre glissage quand vous tournez la main. Ici, ici, je fais mon glissage. Hop, hop, je reviens et je donne. Ok. Donc là, vous venez de forcer le 10 et la dame 22. D'accord? Donc là, il a choisi 41. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 42. Donc on a 42 cartes et le spectateur il va mémoriser l'as de cœur. D'accord? Donc chiffre pair, il met d'abord une en dessous et une ici. D'accord? Donc voilà, on approche de la fin, c'est très très long avec 42 cartes. Donc là vous retournez ensuite les deux cartes et vous dites au spectateur, je ne sais pas où est votre carte, vous avez choisi deux cartes et si on additionne ces deux cartes-là, vous dites là on va additionner 10 et 12, 22. Et si on compte 22, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, l'as de cœur. Vous voyez, ça marche à tous les coups. Donc voilà, quand vous ne pouvez pas faire, quand ça dépasse plus de 13, ben vous composez avec deux cartes, tout simplement. Donc vous pouvez le faire aussi avec un jeu mémorisé et un jeu marqué spécial dont je vais vous parler tout de suite.
Donc si vous savez, si vous avez appris un jeu mémorisé, vous rangez votre jeu dans l'ordre que vous voulez, vous demandez au spectateur de couper le nombre de cartes qu'il veut, et là, en regardant la carte ici, donc votre jeu doit être marqué, vous savez exactement combien de cartes il a pris. D'accord? Et donc sans demander le nombre de cartes au spectateur, c'est là que c'est intéressant dans ce tour, c'est encore plus fort. Et ben vous savez quelle carte il faut forcer. D'accord? Donc là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vous savez qu'il a pris 19 cartes. Vous faites 19 moins 1, 18. Divisé par 2, 9. Plus 1, 10. Vous savez qu'il faut forcer 1, 10. Ok? Ça, c'est avec le jeu mémorisé. Vous avez une autre façon aussi, si vous avez le jeu qui s'appelle... Je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont. Il est où? Qui s'appelle The Code de Andy Nyman, je crois. Donc ça, c'est un jeu de fou, un jeu marqué de dingue. C'est un jeu, par exemple, si je coupe ici, je sais que là, c'est le 3 de pique, parce que c'est marqué 3 de pique ici. Et là, c'est marqué le valet de cœur, parce que je sais qu'ici, il y a le valet de cœur. Et en plus, ça m'indique, donc ça vous indique la carte ici, ça vous indique la carte qui est en dessous, et ça vous indique en plus le nombre de cartes coupées. Donc là, je sais que j'ai 20 de marqué ici. Donc là, on ne voit pas trop bien la caméra. Mais je vois 20. Donc je sais que le spectateur a 20 cartes dans les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, ça tue. Voilà, vous demandez au spectateur de couper le nombre de cartes qu'il veut. Vous lui dites de les mélanger, de mémoriser la carte. Vous, pendant ce temps-là, vous reprenez le jeu. Bah, j'ai encore coupé sur 20. Donc je vais prendre un peu plus. Pendant ce temps-là, vous récupérez le jeu et vous regardez 29. Vous savez qu'il a 29. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Vous demandez de mélanger, de mémoriser. Pendant ce temps-là, bah, vous faites votre calcul. 29 moins 1, 28. Divisé par 2, 14. Plus 1, 15. Vous savez que 15. Donc là, il n'y a pas 15. Donc ce que vous faites, vous pouvez faire une dame 12 et un 3, vous pouvez faire un roi 13 et un 2, vous pouvez faire un 10 et un 5, un 8 et un 7, vous voyez, il y a plein de possibilités. Donc pendant qu'il mélange et qu'il mémorise, et ben, vous préparez par exemple un 8 et un 7 sur votre jeu. Par exemple. Ok? Voilà, donc grâce à ce jeu-là, je ne sais pas si vous l'avez, mais je vous le recommande qui est vraiment génial. Et eh ben vous pourrez faire ce tour, voilà, sans demander le nombre de cartes et sans avoir appris un jeu mémorisé. Voilà les trois façons pour faire ce tour. J'espère que ça vous a plu. Bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne année. Je sais pas si je referai une vidéo d'ici là, sans doute. Je pense que je vais vous proposer une autre vidéo bientôt, juste avant la fin de l'année. Mais en tout cas, je voulais vous souhaiter une très bonne année à tous. Voilà, on a passé une super année ensemble de magie. Ça fait 2 ans que j'ai créé ma chaîne. Et franchement, je kiffe faire les vidéos pour vous. Voilà, ça me fait toujours autant plaisir de les faire. Bah, j'espère qu'on va passer une année 2023 encore ensemble entière. Voilà. Et que je vous proposerai encore beaucoup, beaucoup de tours de magie. Des petites pépites. J'espère en trouver encore. Là, c'est de plus en plus dur d'en trouver, j'avoue, parce que là, je suis à 730 vidéos. J'avoue que c'est pas évident de trouver des bons tours tout le temps. Donc voilà, j'essaye au mieux. Et puis voilà, j'espère qu'on va se retrouver. Tous ensemble l'année prochaine, vous serez toujours aussi fidèles et que vous me laisserez toujours des gentils commentaires. Voilà, que vous likerez toujours autant mes vidéos, que j'espère, et j'espère aussi que vous les aimerez toujours autant. Voilà, donc si on se revoit pas d'ici là, ben, on se dit à l'année prochaine. Je vous embrasse tous, voilà, je vous fais des gros bisous à tous et passez un bon réveillon, pas réveillon de Noël, mais non, passez une bonne soirée le 31. Voilà. Mangez bien, buvez bien, faites bien la fête, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tours. Allez, à très bientôt les amis, merci.